Les chrétiens ont massivement répondu présents au traditionnel rendez-vous de la fête de la Nativité en République centrafricaine. Une occasion pour prêtres et pasteurs de partager avec les fidèles leurs convictions en ce qui concerne la commémoration de Dieu qui s'est fait homme. L'anniversaire de Jésus-Christ, mais on dit l'anniversaire, mais aucune personne ne connaît la date de la naissance de Jésus-Christ, parce que c'est une date inconnue même dans l'histoire. Mais à cause du culte païen, on a pu remplacer le 25 à ce culte qui est offert à Dieu de nos jours. Dans certaines églises, cette célébration a fait l'objet d'une préparation au préalable. Le cas à la cathédrale Notre-Dame Immaculée Conception. Ce qui démontre à suffisance le niveau de foi de ces chrétiens qui trouvent en cette préparation une brèche tendue par le Fils de l'homme pour sauver le pays. On a fait la confession et après la confession, qu'on pourra avoir l'accès à la fête de Noël. Pourquoi la confession? C'est pour d'abord libérer ton cœur, être en bon terme avec tes proches, tes frères, tes sœurs, avec tout le monde, avant que tu puisses recevoir le Christ. Visiblement, quel que soit le lieu de culte, les chrétiens ont laissé entrevoir une ambiance festive, meublée de chants et de danses. Cette naissance du Christ représente tout un symbole, raison du désir éprouvé des chrétiens de manifester l'expression de leur foi en Dieu.